Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Town of Salem. J'espère que vous allez bien. On est parti du coup en game classique comme d'habitude. Je n'ai pas grand chose à dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Vous plaise. Et quoi d'autre? Je pense que je vous ai tout dit, hein. Du coup, on est parti sans perdre plus de temps. Et je pense d'ailleurs, alors pas sûr, hein, arrêter peut-être le let's play de Gotham Knight, car je suis bloqué dans une quête et je n'ai pas de solution pour m'en sortir. Je dois aller dans une zone interroger des mecs. Je suis dans la zone précise, sauf que le jeu ne me laisse pas les interroger. Je tabasse tout le monde, on ne me laisse pas les interroger. Y a pas de, j'ai pas la fameuse touche pour interroger, j'ai rien. Et du coup, j'ai fait toute la map sans rien et ça me gonfle. C'est voilà, Gotham Knight est l'un des pires jeux auxquels j'ai pu jouer de l'histoire, visiblement. C'est rare où voilà, c'est une catastrophe. Bref, du coup on est parti pour du Town of Salem. Et puis ah bah, même pas besoin de faire d'ellipse. C'est parfait. Du coup on va commencer sans perdre plus de temps. Alors, on choisit déjà son nom. Donc là on peut voir tous les gens Apple, ok. Ok, dans 4 secondes, c'est le choix du rôle. J'espère avoir un bon rôle. Et on est shérif. Ah, yeah. Ah, bah ça c'est bien, j'aime beaucoup de shérif. Généralement, je meurs tout le temps, mais c'est quand même bien. C'est pas mal, quoi. Alors, donc shérif, je crois que c'est celui qui peut ouais, décider entre plusieurs rôles. Genre, on va lui donner trois rôles selon une personne. En gros, il va interroger les personnes et on va être capable de savoir s'il ment ou pas. Bref, du coup, on est toujours sur le bateau. Voilà. Je pense qu'on va dire. On va aller voir Apple. Tiens, allez, on va noter. Donc, Knight 1, Apple. Voilà, Knight 1 Apple. On va l'investiguer. Hop, on va faire une deuxième petite page avec marqué résultat, genre résultat quoi. Et puis bah voilà, hein. On va voir ce que ça nous dit de beau. Parce que généralement, bon, peut-être, je me dis, tu vois, peut-être que les personnes qui parlent en premier sont souvent la mafia pour pas qu'on les soupçonne ou quoi que ce soit. Du coup, bah, j'essaie d'interroger souvent les gens qui parlent en premier, enfin, juste avant la première nuit. Donc voilà, comme c'est le cas de Apple. Ouais, peut-être qu'ils veulent se faire discret. Ok. Suspicious of Remed. Alors, il y a deux mecs qui sont morts. Ok, il a été mort par le serial killer. Et l'autre, il a été déconnecté parce qu'on a vu qu'il avait déconnecté Shob. Donc, il a rage quit. Donc, je pense qu'il joue un membre de la mafia. Donc, voilà. Donc, Daddy was escort. Ok, donc c'était un escort. Shod, il a. Bah, du coup, il a quitté, donc c'est peut-être probablement. Ouais, ok, c'était le Godfather. Donc c'était Edward Nigma a quitté. Eh ben, dis donc, ça va être une game rapide, ça. Godfather. Attends, ouais, du coup, voilà. Get 3 in first. Sorry, man. Ah non, mais faut voter. Oh là là. Bon. Knight 2. On va. Hop, chef. Résultat. Enfin, résultat. Hop, on va préparer
quête. Donc ils veulent qu'on vote le 6. Et là on va aller, du coup ouais, on va aller investiguer le chef. Donc voilà, alors je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré à lire le chat, donc c'est pas forcément facile de commenter en lisant quelque chose. Je lis, donc Apple, il est forcément coupable, il est forcément suspect. Suspicious, voilà. Donc, je vais juste préciser, I am dead, please. Kill. Kill. Ok, hop, je fais ça comme ça, si je meurs, tout va bien. Ok. Innocence or great... non, oulala, non, pourquoi je suis en majuscule? Oulala, non. Innocence or... great secret. Voilà. Oula, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Numéro 1, J-LED. Jailor, non. Mais non. Ok, ouais, non, il est coupable. Ok. Donc lui, bah lui s'est suicidé. Donc il serait médium. Ok, il est médium. Oh là, il y a eu beaucoup de morts, dis donc, ma parole, là. Donc ouais, donc là je précise de surveiller le 1 quoi. Ouais, non. Du coup, ouais, non, je suis concentré à fond là, je suis désolé. Donc, à tout moment, je me foire et on me tue. Mais il est suspect. Il est suspi. Il est suspicieux. Il se défend pas, soi-disant que oui, s'il dit son rôle, il sera tué. Tout le monde sait que je suis shérif, moi, et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, du coup, ça, je peux l'enlever. Au moins, on l'a tué, lui. En espérant qu'il soit... Oh là là, je croise les fesses, là. Je croise les... Voilà, je croise tout le corps, là. Vas-y. On a tué Apple. Allez, par pitié. Ok, déjà, il n'y a pas de jester, donc ça, c'est cool. Voilà. Alors,
Knight 3. Donc on a tué déjà deux mecs, il en reste deux. Quelqu'un s'est abstenu là, John. Parce que du coup, il s'est abstenu. Sauf que du coup, John. Attends, voilà, résultat. Il s'est abstenu. Donc soit il ne sait vraiment pas. Soit il s'est juste abstenu pour pas paraître suspect en votant innocent ou pour pas vouloir voter guilty pour pas tuer son frère. Donc je vais quand même le surveiller lui. Et puis bah voilà quoi. A voir si je meurs pas par contre, parce que du coup je peux à tout moment mourir. Et je. Ok. Guys, get. Non, putain, chef, il est mort. Ah, merde. Putain, ils sont que deux. On est deux contre trois. Ça fait mal. Ça fait mal, ça pique un peu, quoi. Allez, 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 allez. Aïe. Ouais. Left. Right. Ah bah il a quitté la game. Il y a. Et ok, il a quitté la game, donc à mon avis, il est coupable. Donc on va voir qui on va voter. Donc bah lui, là, j'ai quitté, donc c'est plutôt cool. Nick. Bah écoute, on va voter. On va voter lui, hein. On va voter 14, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà. On va voir. Mais pour l'instant, voilà, je suis content. Shérif, ça se passe bien. Oh, even give me that. Welp. Bon, ok. Donc notre ami 5, il a quitté la game, donc je pense que c'était, voilà, c'était quelqu'un de la mafia ou le serial killer. Mais c'est dommage de quitter la game, car même si tu perds, tu gagnes un peu d'XP, enfin d'XP, il n'y a pas d'XP dans le jeu, mais tu gagnes des pièces, voilà. Et c'est dommage, c'est bête de quitter alors qu'on n'a même pas voté, ça se trouve personne ne m'aurait cru et personne n'aurait voté contre lui, tu vois. Et c'est dommage de vouloir quitter, je déteste ce genre de gens qui quittent parce que ils ont, voilà... Enfin, c'est le jeu, quoi. Tu vois, genre, voilà, quoi. C'est le jeu, quoi. Il a tenu longtemps, et voilà, quoi. C'est bon, ça arrive, mais. Sauf que le problème, c'est qu'il reste un mec après. Il va rester un seul mec. Zepar, left the game, Night Cat, Equinox. Je l'ai pas fait, lui, Equinox. Est-ce qu'Equinox, il a parlé? Equinox. Oh bah, GG. Bon bah voilà, on a gagné cette première game, c'était sympathique, on a assuré, du coup on peut voir que celui qui a quitté, John nanana, il était serial killer, hein, donc en fait le mec qui a quitté c'était le serial killer, donc en fait on a gagné. Je comprenais pas pourquoi, mais voilà. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour faire une petite ellipse et pour faire une deuxième game, du coup à tout de suite. Ok, retour, on se retrouve pour la deuxième game, donc juste avant il y a une autre game mais je voulais pas filmer car je suis mort dès la première nuit donc ça n'avait aucun intérêt, j'étais docteur. Donc voilà, donc je vous disais quoi d'autre, enfin je vous disais quoi déjà dans la partie précédente. Oui, que je vous conseille d'y jouer, voilà le jeu est très prenant, faut pas un niveau d'anglais élevé, voilà ça reste plus ou moins les mêmes dialogues, hein. Faut juste comprendre le truc, ensuite c'est toujours les mêmes dialogues. Le jeu est gratuit sur internet, vous pouvez jouer gratuitement depuis votre navigateur, il est franchement cool. Voilà, au début j'ai commencé comme ça sur navigateur, il est cool. Vous pouvez également jouer sur mobile, alors je ne sais pas s'il est gratuit sur mobile, mais je crois que oui. Car il y a un pet qui est premium sur mobile, donc c'est-à-dire qu'à mon avis il est gratuit sur mobile, mais vous pouvez payer le premium.
En gros, payer le jeu, quoi. C'est pas un abonnement, c'est juste tu payes le jeu, quoi, en gros. Comme un peu sur Steam. Sur Steam, tu le payes et tu l'as tout le... Et voilà, tu l'as, quoi. Mais je sais pas s'il est gratuit sur mobile. Mais voilà, vous pouvez jouer gratuitement sur Internet. Vous pouvez également jouer sur Steam. L'acheter sur Steam. Alors, sur Steam, il est payant, mais l'avantage, par contre. L'avantage, par contre. Alors, attends. President Trump. Alors. Attendez. Ah, résulte. En fait, sur Steam, il n'y a pas vraiment. En fait, sur Steam, il est payant, il n'est pas gratuit. Sauf que l'avantage. Entre guillemets, de le payer, c'est qu'on vous offre déjà des skins et des pièces et des voilà des pièces, etc. On vous offre déjà, on vous offre déjà quelques trucs. Voilà, après, c'est voilà, c'est juste de la déco, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, les skins, c'est de la déco, les maisons, c'est de la déco, la map, c'est des décos, c'est juste ça, quoi. En plus, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai appris ça, mais dans les options, ouais, dans les options. On peut cocher des trucs, genre on peut activer ce petit bouton, ça veut dire que tous les joueurs auront un skin classique. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, genre même si quelqu'un a un skin, vous le verrez comme un joueur normal, donc ça peut être cool. Voilà, c'est... Bon, ça peut être cool. Alors... Ok, le lockout. Il est lockout, très bien, parce que Forger, il n'est pas dans la partie classique, et Witch non plus. Il n'y a pas de sorcière. Voilà. Et puis, bah, y a plein d'autres options qui sont plutôt cool. Ah, oh, yes! Y a plein d'autres options qui sont cool, voilà. On peut désactiver les pets. On peut, voilà, les pets qui nous suivent. Ou on peut... en fait, on peut cacher notre skin à tous les joueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai mon skin là, de démon. Je peux le cacher à tous les joueurs. Sauf à moi. Genre, en fait, il n'y a que moi qui va le voir. Y a que moi qui vais voir mon skin. Eux, les autres joueurs, verront... voilà, un villageois classique comme lui, voilà. C'est plutôt cool. Voilà, je préfère quand même vous le truc, parce que, enfin, vous l'expliquer. Et puis, bah voilà, quoi. Bref, alors du coup, qui est mort? Le docteur est mort, le framer est mort, donc, par le serial killer, donc c'est plutôt cool. I am invest. Is it true? Oh, lui, suspect. Oh, j'ai un doute, hein. Oh là là, attendez. Parce qu'il dit qu'il est investigator. Sauf que... Il aime une veste. Voilà, 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 voilà. Summon. Non, merde, c'est l'inverse. E-O-N-E. Voilà. Ok, ah bah. Ok, bon, bah, il a quitté la game. Ça me fatigue, les gens comme ça, bordel. Il a quitté la game. Non, mais ça lui apprendra. Dans tous les cas, en livant, il gagne que dalle. Il gagne aucune. Oulala, il gagne aucune pièce. Voilà. Il y a également un mode ranked sur ce jeu. C'est un truc que j'aime bien. Bon, après, sur le mode ranked, il n'y a pas ranked classique. Enfin, il y a plein de. Y a, voilà, tu peux avoir 4 shérifs. Enfin, ça peut être la merde, quoi. J'ai fait une game où j'étais le 4ème shérif. Et personne ne me croyait quand je disais que j'étais shérif. Car tout le monde me pensait. Enfin, tout le monde se dit, bah non, c'est pas possible. Et bah si, j'étais shérif, et du coup, bah, ma mort, ils se sont vite rendu compte que c'était possible. Ils font, ah merde! Ah d'accord. Voilà. Bon bah, ah, du coup, non, non, non. Non, il est pas une veste, il doit être... Non, bah non, il doit être exécutionnaire. Président Trump a quitté. Lynch, voilà. Résulte. Ah là là. Voilà, donc là je mets ça. Donc est-ce que je vais me faire tuer? C'est probable.
Donc en fait, summon et exécution. Oh, okay. Oh là là, ok. Ok. Vigivet or maf. Well, ok. On reste pas. Ok, donc il a quitté la game. Arrêtez de quitter les mecs, putain, c'est rare les parties comme ça, mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est chiant. Ok, donc Summon était exécutionnaire, donc il a réussi son coup. Il a tué sa cible. Hop 6. Ok, The Lord of Himself. Bon, on va voter, hein. On va voter lui, hein. Il reste encore 3. Allez, voilà. Il ne parle pas, il ne se défend pas. Oh, c'est facile. C'est pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Après, il peut. Non, bah non. I am Doc. Doc. Doc, il se. Alors, Doc, le docteur est mort. Il peut très bien avoir deux docteurs. C'est possible. Ah merde! Putain, comment il s'appelle lui? Vite! Alors, John William. Est-ce que quelqu'un s'est abstenu? John William. Ok, je vais m'occuper de. Ah merde. Alors, je vais faire 8. Voilà. Knight 3. 8. John. Willard, voilà, on va faire résultat pour leur donner des infos précises si je meurs. En espérant qu'il n'ait pas shooté Sheriff or Eggs. Oh, me dis pas qu'il a tué le mauvais. Ah! Ok, il reste deux mecs. Ouais, mais. Qu'est-ce qu'il fait le Jailor? Il a tué le mec qui est exécutionnaire. Enfin, je crois, hein. On va voir. Ouais, bah oui, voilà, il a tué le mec qui était exécutionnaire. Il a gagné dans tous les cas, donc lui, il s'en fiche. Il a gagné, donc lui, il peut mourir, il a déjà gagné sa game. Il a tué sa cible. Donc lui, il a gagné dans tous les cas, donc bah, GG. Par contre. Ok, Voilà. Ok. Thank you.
Ok, personne. Ok, bon, bah, il dit pas son rôle, il y a aucune défense, donc à voir. Ah! Ah, I love. Donnez. Love this game. Oh là 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 là, ils sont fatigants quand ils n'ont pas de défense, quoi. Ils sont fatigants. Voilà, ils sont. Non, mais ils sont fatigants. Du coup, qui j'ai pas. J'ai whiff. Bref, alors, Knight 4, moi je vais m'occuper de Yuki. Aïe. La mine basse. Non, mais dis pas qu'il tue les gens par. GG report. Ouais, kill me, mais ouais, quand même. Mais what? Mais pourquoi il m'exécute? What? J'ai pas compris. Attends, quoi? Probably. Probably. Attendez. Non, 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 non. Neuf. Neuf. Non, mais attendez. J'ai vu. Attends. Oh, par contre, pourquoi il m'a tué, lui? Attends, j'avais dit quoi au mec plus haut? Je regarde, excusez-moi. 4-9, ok. Ouais. Du coup, il a regardé, donc le 9 est clear. Bah non, Medium est mort. Oui, il est mort. Voilà, hop, à de jeu, c'est la fin de la game. C'est pour ça que juste avant ma mort, j'ai dit que Yuki était probablement SK avant de mourir pour leur indiquer un, voilà, une situation car je. Voilà, c'était soit le 9 du coup, soit le 4 du coup, ouais. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, bah, c'était une game plutôt cool. Bon bah j'ai attends bah, on n'est pas sûr mais voilà mais j'ai pas compris pourquoi il m'a tué le jailer. Si quelqu'un joue au jeu, quelqu'un peut m'expliquer? Il m'a dit qu'il était corrompu mais c'est pas tu peux pas être corrompu. Si? Comment tu peux être corrompu? Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, j'ai pas encore peut-être que je connais pas encore toutes les règles mais un jailer corrompu enfin dans le mode peut-être qu'il peut être corrompu hein, mais dans le mode classique, il peut pas. Parce que le framer mafioso et tout, ils ne peuvent pas corrompre le. J'ai pas compris là. J'ai pas.
Bon bah c'était plutôt cool hein. C'était plutôt cool. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà, parce que je compte en faire d'autres des vidéos. Puisqu'on est mercredi, etc. Donc bah à tous ceux qui travaillent, bon courage. À tous ceux qui ont leur après-midi, bah profitez bien. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir ça, pour soutenir la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. J'essaie d'être le plus actif et j'essaie d'être voilà, d'être le plus divertissant. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez jouer ensemble, je prends. Et puis bah voilà quoi. Donc bah voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire. Donc à part abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu et commentez pour soutenir la chaîne. Ça fait énormément plaisir et ça me soutient beaucoup et ça m'aide à savoir si tel contenu est bien ou pas. Donc bah merci à tous ceux qui le font. On se retrouve très très bientôt pour la suite, bah, sûrement sur Town of Salem et d'autres jeux bien évidemment. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. Je vous rassure. Le 18, il y a déjà Spider-Man Miles Morales. Donc voilà, alors ça sera peut-être pas le 18 exact, je pourrais le faire, mais on essaiera de le faire au plus vite. Voilà. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, et puis bah, ciao ciao tout le monde. Bah allez, portez-vous bien.